Le feu a cessé ce matin sur tout le front à 11 heures. Évacuation immédiate des pays envahis. Belgique, France, Luxembourg, ainsi que l'Alsace-Lorraine, dans un délai de 15 jours à dater de la signature de l'armistice. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant en bon état. 5000 canons, 25000 mitrailleuses, 3000 Minenwerfer, 1700 avions de chasse et de bombardement. Les troupes allemandes qui n'auraient pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés seront prisonnières de guerre. Et enfin, réparation des dommages. Le présent armistice a été signé le 11 novembre 1918 à 5 heures, heure française. Messieurs, je cherche vainement ce qu'en un pareil moment, après cette lecture devant la Chambre des représentants de la France, je pourrais ajouter. Pour moi, la convention d'armistice lue, je me reprocherai d'ajouter une parole. Car, en cette heure solennelle, grande et terrible, mon devoir est accompli. Un mot seulement. Au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, j'envoie le salut de la France, une et indivisible, à l'Alsace et à la Lorraine retrouvées. Vive l'Alsace-Lorraine française! Au nom des deux Alsaciens et nos chers collègues lorrains de cette chambre, ma poitrine, gonflée de joie, a besoin de crier. Vive Clemenceau! Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance de ses armes. Quant à nos vivants, vers qui dès ce jour nous tendons la main, nous les acclamerons quand ils passeront sur nos boulevards, en marche vers l'Arc de Triomphe. Qu'ils soient salués d'avance. Nous attendons pour la grande œuvre de reconstruction sociale. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal.